Salut, bienvenue dans une nouvelle séance de coding, programmation de l'éditeur de Solarus. Donc, le dialogue d'édition des entités avance bien, on va dire. Et un truc qu'il fallait que je gère, c'était le fait que quand on fait des destinations, l'une d'elles peut être la destination par défaut, et quand on la coche, il faut que la destination par défaut précédente, s'il y en avait une, se décoche automatiquement elle. Donc, par exemple, si vous avez deux destinations sur une map, celle-ci est celle par défaut. Si vous changez ici, ça doit avoir modifié l'autre. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, pour faire ça, on va faire une petite fonction dans MapModel. Ah, j'ai appuyé sur F5, j'en sais un debug. Get name entities, get. Get name entities, get name name entities, entity exists. On va faire ça ici. Alors, est-ce qu'on fait une fonction get default destination? Oui. Default destination or an invalid index. Donc après, il faut que je demande à la map toutes les entités. Les entités d'un certain type, comment je fais ça? Parce qu'en fait j'ai déjà un peu fait dans le entity selector, mais ça concernait que les entités qui avaient un nom. Ok, donc j'ai pas de fonction particulière pour le gérer. Donc peut-être qu'on peut faire un en dessous de getEntityType, des trucs qui gèrent les noms. On peut faire cette fonction là et puis aussi une fonction entityIndexes getEntitiesOfType ou find. Je vais appeler find parce que c'est plus un find qu'un get. Après, truc qui gère les types, j'ai dit. Type name, common type, voilà. Hop. Non. Et donc lui. Returns all entities of a given type.
Donc on va parcourir les layers. Si. Pas besoin de faire une boucle comme ça, je peux faire une boucle C++ 11 normalement. Si je parcours ce truc là. STD array de entity models. Donc pour chaque layer, je prends les entités de ce layer. Ensuite, pour chaque entité modèle PTR dans les entités de ce layer. Alors, si c'est pas le bon type, si c'est le bon type, on l'ajoute à la liste. C'est juste l'index. Qu'on veut et on retourne ça. C'est une solution pour le faire. Xyz. Donc, entity indexes. Destination indexes. You'll find entities of type entity type destination. Hop. Donc if get entity field de index le field default to boolean retourne vrai, c'est celle-ci. Je vérifie pas qu'il n'y en a bien qu'une seule. Je retourne la première que je trouve. Index. Et s'il n'y en a aucune qui est spécifiée comme étant celle par défaut, ce qui est autorisé, on retourne entity index, un index invalide. Pour indiquer qu'il n'y en a pas. Ok. Et donc dans notre système undo redo, on va appeler cette fonction qu'on vient de faire. Alors, il commence à y avoir beaucoup de classes là-dedans. Edit entity command. Before, after. Bon, ça, à la rigueur, il n'y a pas besoin, le after. Vu que l'info est déjà là-dedans. Parce qu'il n'y a que... ce qui est possible... c'est que celle-ci devienne la destination par défaut. Et donc c'est la destination par défaut précédente qu'il faut qu'on ait retenu.
retenir ça. In case it changes. Donc c'est tout. Et puis c'est dans... Non, c'est pas tout. If entity after. Si c'est une destination et que c'est la default destination, dans ce cas-là, il faut modifier l'ancienne. False. Make sure there is only one destination. Ok. Et alors, quand on fait undo, on enlève l'ancienne entité et éventuellement ce qu'on a à faire c'est l'inverse de ça. Ah, il faut aussi que default destination as before soit valide. Et quand on fait annuler, il faut restaurer éventuellement ce truc-là. Restore the previous default destination. Et... bien sûr, on va faire ça que si c'est pas la même. Donc différent de index after. Non, index before. Sauf qu'on a un problème. C'est que les index, ils ont déjà changé à ce moment-là. Je peux le faire plus tôt, c'est pas grave. Donc s'il y a une default destination avant le... Ouais, mais c'est avant le changement.
c'est bon, je pense que je sais. Si Default Destination X Before est valide, que c'est pas moi, que mon entier est une destination, donc finalement ça je vais mettre en premier. C'est entity after, entité et une destination qui devient la destination par défaut et qu'elle ne l'était pas avant. Alors avant de faire mon changement, je change l'ancienne destination par défaut. Ok, ça marche. Et donc tout à la fin. Fault true. C'est exactement la même condition. Alors, je fais deux destinations. Aucune est celle par défaut. Tu dis que celle-ci est celle par défaut. Elle l'est. Annulée. Alors, edit entity. Je fais deux edits. Ouais, peut-être. Et tu dis que c'est maintenant celle-là. Celle-ci ne l'est plus. Je fais undo, celle-ci ne l'est plus, et celle-ci l'est à nouveau. Ça marche. Ok. Donc c'est pas vraiment only one, c'est at most one. Alors, maintenant on va continuer notre nos petits champs là, parce qu'il nous en reste encore quelques-uns à faire. Je reprends ma liste. Tous ceux-là ils sont faits. Tous ceux-là ils sont à faire. On va peut-être gérer les champs de type entier. Est-ce qu'il y en a parmi ceux qu'on a déjà fait qui pouvaient rentrer dans ce cadre? Non. Ouais, damage, bidule. Ok. Donc pareil que la dernière fois, on va factoriser du code pour éviter de les rentrer un par un dans le point UI. On va les créer dynamiquement parce qu'en fait c'est très facile à faire. Tout doux. Ah, ça c'est fait. Un peu plus précis. This is used for fields that do not need special code. For integer fields and blablabla. By a spin box. Yeah.
Donc pareil, field name label text. Alors, est-ce qu'on a des propriétés à passer à spinbox? Je pense pas parce qu'il se trouve que c'est tous des entiers dont le minimum est 0. Non, ils ont, il y en a qui ont un minimum différent quand même. Je peux au moins passer un minimum value. Donc label text minimum. Et là on va garder la spinbox. Int minimum. Donc les simple boolean fields. Simple integer fields. Super commentaire. Hop, hop, hop. Ça doit être passionnant à suivre. Donc, on va faire pareil un peu que là. Un copier-coller. Integer. Oui, on dit bien integer et pas integer. If entity before as field. Donc field.spinbox. Ouh. Je vais quand même vérifier que ma checkbox est pas nulle. Il y a quand même un risque de crash un peu idiot. Vu que c'est simplement une struct avec un champ public que j'ai initialisé dans une autre fonction. Donc bien que ce soit une classe complètement privée, c'est pas la peine de faire pour autant du code qui est pas safe. Différent de nul. BTR. Simple integer field. Il y a quelque chose qui lui plaît pas. Bon. As field, on crée un Q label, on crée un spinbox. Quels sont les paramètres? Rien du tout. Spinbox. Set minimum. Ah. Je sais ce qui lui plaît pas. C'est au moins qu'il a pas le spinbox là-dedans. C'est étonnant. Si, il doit l'avoir. Set minimum. Si, si, ça marche. Int minimum. Field.spinbox égale spinbox. Bla, 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 hop. Minimum. Ok. Et donc notre liste de fields, elle est là. Non, nettement moins que pour les booléens. Donc il y a weight. Et je vais aller voir l'ancien éditeur pour avoir les labels exacts.
sais pas si c'était Wade. Wade, ça m'étonnerait. Ah oui, mais non, il y a qu'un seul texte là. Le deuxième paramètre, c'est le minimum. Donc le minimum, c'est 0. Vroom. Damage. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Contrôle C. Ah, ça y est, Eclipse arrive. Ouh. Bravo, Eclipse. Contrôle V. C'est quoi cette annotation? Ah mince, c'est des fields. C'est des teachers d'ailleurs. Donc, on a weight, damage, price, jump, length, speed. Qu'est-ce que c'est que cette annotation de merde? Donc, edit destructible. Ah, can be lifted. Ah, il y avait une chain box. Ok, peut-être que white est un tout petit peu plus compliqué. Je pourrais le gérer comme un optional field. Même s'il n'est pas optionnel dans le format du fichier. Donc, damage on enemies. Là aussi, il y a une checkbox en fait. Price, jump length. Non, price c'est pour les shop items, shop treasure. Ah, il faudrait que je propose une valeur par défaut aussi. Donc ça s'appelle juste price en tout cas. Initial value 10. Donc le minimum et la valeur initiale. Ok. Jump length, ça c'est dans les jumpers. Donc valeur par défaut 56, minimum jump length 16. Enfin, c'est pas par défaut, c'est valeur initiale proposée par l'éditeur. Et le minimum c'est 16. Et le texte jump length. Très bien. Et speed, ça c'est pour les streams, qui s'appelle juste speed. Ça va être, c'est plus là qu'on le voit. Speed, valeur par défaut 40. Initial 40. Speed, 40. Bon, c'est dommage, il n'y en a que 3 qu'on peut factoriser facilement. Ok, c'est ça qui allait pas. No match. Tac.
field.minimum, il faut aussi que je fasse spinbox set value field.initial. Et puis là, faut que je fasse attention à mon code. Value. C'est plus un boolean. Bon, alors on va vérifier ces trois fields. Il y en avait un dans jumper. Jump length 56. Peut-être que ça mériterait un horizontal spacer après quand même là. Et peut-être qu'il faudrait mettre un step size de 8 pour le jump length. Ensuite les autres ils étaient dans. Oula, attendez, ça c'est faux, c'est price. Shop treasure, le prix il est là. Et speed, c'est dans les streams. Speed 40, 42. Ok, donc je vais rajouter encore un paramètre qui va être le step. Spinbox set, alors je sais jamais, ça s'appelle pas step, ça s'appelle je sais plus quoi, step, single step, field.step, voilà. Donc le step pour le prix on va dire de 10 en 10, de toute façon c'est juste le step quand on utilise le petit curseur, la petite flèche, mais on peut toujours rentrer au clavier une valeur bien fixe. Jump length, donc ça c'est les coordonnées, c'est de 8 en 8, et la speed, on va dire de 8 en 8 aussi, des pixels par seconde. soixante-douze, mais rien n'empêche de mettre 73 à la main. Ça a pas marché. 64. Ah, ça ne fonctionne pas. Puis spinbox value, form layout, label spinbox. Est-ce que les autres ils marchent au fait? Non. Donc mon code est bien appelé. C'est ça qui est bizarre. Field spinbox existe bien. Par contre, pour récupérer la value, point field name. Field name est bon. Step into. Non, pas lui. Alors, key value, price, 20. Entity set integer machin.
c'est des keys price value q variant égale 20 ou 20 et ok est égal à true. Donc c'est bon là, qu'est-ce qui se... Ah, oh là, je sais. initial value. C'est pas du tout là qu'on peut choisir une initial value. Bon, ça va simplifier le code. Tant mieux. Il faut pas mettre tout le temps le initial value, évidemment. Il faut mettre la valeur de l'entité. Cette value. Entity before get field field.fieldName.toInt. Sauf que c'était une un point. J'ai fait la même connerie d'ailleurs dans les booléens, je crois. Donc shop item 30, ça marche. Jumper. Ok. Il s'était mis à 40. Parce que c'est là, effectivement la valeur par défaut dans le format du fichier de map. Et là il y a une speed 64 par défaut aussi. Donc pourquoi dans mon simulateur j'avais d'autres valeurs? Number chooser. En fait j'avais des valeurs mais elles étaient complètement ignorées. Je créais la GUI avec une valeur par défaut mais elle était tout de suite remplacée par la valeur dans l'entité. Et donc pour le prix c'est 0. On va quand même changer le prix initial. Donc un peu comme je fais dans wall, je peux faire une fonction setInitialValue, parce que aussi dans les données, pas dans la GUI. D'ailleurs, un prix de 0, c'est autorisé, ça? C'est bizarre. Je suis pas sûr que le cas soit géré par le moteur. Default price in the value format. Donc on a cette fonction setInitialValue que les entités peuvent redéfinir et quand elles ne la définissent pas, les valeurs initiales quand on crée une nouvelle entité sont prises depuis la valeur par défaut qui est dans le format des maps. Ok. Article de magasin en français. Donc j'ai perdu mes petites notes. Merde. Je ne vais pas relancer Eclipse une deuxième fois. Non. C'est ça que je veux. Donc ces trois là, ils sont faits. Ah oui, alors je voulais quand même ne pas étendre les spinbox. Donc je vais essayer de faire programmatiquement. Non, j'ai déjà committé. Price. Non. Speed. And jump length.
Donc, je vais faire programmatiquement ce que je fais d'habitude dans le code. Donc, je vais créer un Q horizontal spacer. C'est pas comme ça que ça s'appelle. Spacer item, ok. En fait, on va copier ça, c'est tout. Spacer item WH, donc la taille size policy, et donc il faut qu'on crée un layout aussi. Q horizontal layout, ça n'existe pas. C'est Hbox Layout. Donc je fais ça et après je fais Add Widget des deux. Donc QH Box Layout. C'est quoi qui est passé dans le constructeur là? Sprite label checkbox. Ah ok. C'est le parent. Cet object time, à mon avis, on s'en fiche. Add item. Alors, le spacer. Add widget. Le spin box. Ensuite, add row. Je peux pas passer un layout là. Si. Ah si, cool. Bon bah ça marche. Maximum value 99, tiens, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Le maximum value, ça va être comme je faisais dans la G8, un grand nombre quelconque. Je sais pas comment faire pour qu'il n'y ait pas de maximum en fait. Pourquoi il y avait ça? Ah! Maximum. Ah, ok, c'est bon, là il a une taille que je préfère. Là, c'est parfait ça. Improve the size of the integer. Spinbox.
Donc ensuite. Ensuite. On va faire ces deux-là. Pour continuer dans les. Parce qu'on voulait les faire tout à l'heure, en fait. Wait, damage on enemies. Donc. Je pourrais quasiment les faire programmatiquement, mais bon. Je vais quand même les faire là-dedans. Alors. Wait. Qui est un spinbox? Ah oui, mais alors justement, c'est comme les sprites, voilà, c'est ça le truc. Il faut que je fasse. Donc j'ai fait un Q-widget pour contenir mes deux machins. Alors. Q-widget. Il s'est mis à droite. Qui contient mon label. C'est bien ça que j'ai fait? Un horizontal layout, c'est pareil, il est trop petit, j'arrive pas à mettre quoi que ce soit dedans. Il faut que je pète le layout alors. On va bien voir. Donc je veux en tout cas un label qui s'appelle wait, une checkbox. Ah mais non, puisqu'il est toujours optionnel, lui. Juste la checkbox. Il n'y a pas des entités pour lesquelles c'est obligatoire et des entités pour lesquelles c'est optionnel. C'est toujours optionnel. Puisqu'il n'y a qu'un seul type d'entité qu'il utilise de toute façon. Spinbox. Donc j'ai ça. Pareil pour l'autre. Là-dedans. Ensuite, comment j'ajoute ça dans mon truc? Comme ça. Sauf que là aussi, je voulais des. J'ai besoin de spacer. Layout. Sauf que il faut que je les promote en widget, un morph into widget, et que je mette donc ça et ça et ça. Et il faut que mes widgets ils aient des marges de. Comme j'avais fait là, de zéro. Et ensuite les spinbox, alors le wait
Et il a pour minimum 0 et pour maximum. On s'en fout. Et d'ailleurs, j'avais pas mis une taille aussi pour ça. Maximum size 70. Et damage on enemies, c'est la même chose. Maximum size 70. Tac. Après, faut que je donne des noms à mes trucs. Un petit peu comme là. Sound chain box, sound field. Bah ouais, ça va être. Weight checkbox. Damage on enemies checkbox. Weight field. Damage on enemies field. Ah oui, puis ça j'ai appelé layout. Okay. Ok, c'est bon. Et après, j'ai déjà le code pour faire en sorte que la spinbox s'active en fonction de l'état de cette checkbox. Donc là, j'ai fait le plus dur. Alors, donc on va rajouter nos deux fields. Il y en a un qui s'appelle Damage on Enemies. Alors, j'ai triple ordre alphabétique parce qu'il y en a tellement. Et l'autre est là. Initialize weight, apply weight. Comme ça, ça fait plein de petites fonctions. C'est plus facile à s'y retrouver. Oups. Et donc après, on va copier un truc qui ressemble avec une checkbox genre sound. Non, sound il est un peu tordu. Parce qu'il y avait les deux field names différents. Sprite, c'est plus simple. Donc, initialize the damage on enemies field. Ah oui. J'évite de dupliquer des strings littérales. Damage. Hop, damage. Et wait. On s'amusera à traduire tout ce qu'il y a à traduire, ça va être sympa ça. Donc j'en étais là. Alors, mince, name ou field name? Field name.
Si l'entité n'a pas le champ, on le supprime. 8 points. Alors, merde, s'il faut que je recompile. Non, bah tant pis, je vais le taper à la main. Donc là, c'est le layout parce qu'il y a le spacer avec. Ensuite, initialize possibly optional field. C'est ça le code qui va gérer le enable ou disable state du spinbox. Label checkbox. Donc là. Pas besoin de ces deux-là. Ici c'est damage on enemies checkbox. J'avais déjà là, mais bon. Et ici c'est damage on enemies field. Donc tout ça on s'en fout. Et damage on enemies field, set value. Entity before point get field. Damage on enemies field name point to int. Alors normalement ça va pas linker parce que j'ai pas encore fait le deuxième. Alors. Initialize. Wait. Bon, il y a de grandes chances que ce soit que ça ressemble énormément. Voilà. Oh. J'ai oublié de réajuster la taille de ma dialbox. Donc là, il y a un problème de connexion entre ces deux trucs-là quand même. J'aurais peut-être envie d'inverser l'ordre. Bon, déjà. Ah oui. Je refais le layout. Adjust size. Voilà. Donc, est-ce que mes noms... Je pense que mes noms sont corrects parce que ça aurait pas compilé. Dans initialize weight. Je fais correspondre weight field à weight checkbox. Ça fonctionne pas.
C'est des trucs optionnels, ça? Est-ce que c'est bien des trucs optionnels? Wait, optionnel. Damage enemy, optionnel. Le défaut étant 1. Donc ça c'est embêtant. Parce que si on met 1... Alors déjà ça n'a pas marché, tiens. Je change de valeur, ça marche pas. J'ai pas appelé mes fonctions. Si ? J'ai pas appelé apply weight. J'ai pas appelé initialize weight. Non, c'est l'autre. Je mets 1, ça marche pas. Je mets 0. C'est pas la bonne que j'ai changé. Et si je change le weight, ça marche pas non plus. Ah merde, sprite field name. Erreur de copier-coller. Oh là là. Ah mais... Pff, en plus c'est pas du tout une checkbox. C'est... Wait field value... Point to int encore. Non, il n'y a pas de to int, c'est déjà un int. J'ai complètement oublié d'implémenter cette fonction. Donc là je mets 3, ça marche. Je mets un weight de 2, ça marche. Et donc le problème que je disais, c'est que si je mets 1 ici, il va compter comme il n'y a pas de valeur, parce que c'est erreur par défaut. Donc, et si je mets 0, il va dire que c'est une valeur, parce que elle est différente de la valeur par défaut qui est 1. Donc c'est un peu débile que la valeur par défaut, ça soit 1 quand on met rien. Ça pourrait être une valeur initiale proposée par l'éditeur à la rigueur, mais ça devrait pas être une valeur par défaut. Déjà, je vais vérifier que la doc, elle le dit bien. Solaris doc. Damage on enemies. Mince. Default value is 1. Donc c'est un peu débile, mais c'est bien spécifié au moins. Alors, comment gérer le cas? Is field unset.
Donc on va pas appeler cette fonction parce que elle gère pas. Elle gère le fait que la checkbox elle correspond à est-ce que c'est erreur par défaut ou pas quand elle est optionnelle. Donc c'est pas très grave, on va le faire à la main, c'est pas si compliqué. Donc on va déjà récupérer la valeur dans une variable. Alors, if damage on enemies égale 0. Damage on enemies fail set enable false. Et sinon, checkbox set checked true. Et ensuite, connecter le checkbox avec le field. Ok. Alors, UI. Donc si je mets 1, merde, c'était pas lui, c'était lui, ça marche. Si je mets 0, c'est comme si on n'avait pas, donc voilà, ça s'enlève. Alors du coup, vu que c'est géré comme ça, on va pouvoir dire que la minimum value, c'est 1 et 1. Ça serait plus compréhensible que d'autoriser de cocher une valeur qui est égale à 0 qui veut en fait dire que c'est pas coché. Donc minimum 1, minimum 1. Tout aurait été beaucoup plus simple si on n'avait juste pas mis de checkbox. Mais j'ai envie que ce soit le mieux possible pour l'utilisateur. Donc là, wait égale 1. Si j'enlève, ça ne marche pas. Parce que dans le apply. Ah oui, d'ailleurs. Apply. Il fallait que je garde le code de la checkbox là. Machin checkbox is checked. Ça c'était juste en fait. S'il est checked, c'est la value, sinon c'est 0. Et même chose dans wait. Hop. Alors attention au copier-coller. Voilà. Oula, oui, checkbox. Si j'en mets 1, il est au minimum 1. Et si j'en mets pas, ça veut dire que c'est 0. Parfait. Ça fonctionne. On pourrait vérifier pour être vraiment vraiment sûr que quand on enregistre le fichier, il s'est pas mélangé les pédales entre les valeurs initiales et les valeurs par défaut.
Donc, je prends mon vase. Je décoche damage on enemies. Ok, enregistré. Git diff. Ça marche, regardez. Damage on enemies est passé de 2 à 0. Et si maintenant je mets 1. Git diff. Il s'enlève. C'est dans le format du fichier de la map, la valeur par défaut est 1. Donc quand c'est égal à la valeur par défaut, il la met pas. C'est un choix. En tout cas pour la boîte de dialogue, ça n'a aucune importance. Bien. Donc ces deux-là, ils ont posé un peu plus de problèmes que prévu, mais ils sont faits. Alors, une petite pause et je reviens. Ok, c'est reparti. Alors, j'avais pas commité déjà ce que je viens de faire. Sachant que ce que je viens de faire, c'était damage on enemies and weight. Mince. Hop.
Et ensuite, bah, je sais pas, on va continuer à descendre, traiter notre to-do list. Donc, on va commencer par le début. Ground. Donc, ground, c'est aussi dans les destructible items. Sachant que dans la GUI, il a pas de checkbox normalement. Edit Extractable Component. Non. C'est. Ah si, il y en a une. Set Special Ground. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de problème parce que quand c'est désactivé, ça veut bien dire que c'est le ground par défaut. Qui est obstacle, mur. Donc allons-y, set a special ground. Q-checkbox. Je trouve jamais les widgets là-dedans. Ah, je voulais changer l'ordre en fait, oui. Donc, set a special ground. Et ça va être une combo box. Mais en fait, ça va être une enum selector de. Alors, rien de tout ça. Enum selector, je veux pas agrandir ce dialogue. The ground, donc c'est ground traits et nu sector de ground. Promote. Et voilà, c'est promu. Et donc mes histoires d'ordre. Dans le vieil éditeur, on avait dans l'ordre. Destruction sound can be lifted, can be cut, can explode, can regenerate. Je me suis un peu planté dans la GUI, j'ai oublié de mettre ce label, d'appeler ça can be lifted. Et puis ça hurt enemies when thrown, donc ce sera moins clair. Bon, je vais déjà finir le ground. Set a special ground. Je me suis trompé là, c'est des layers, je veux pas des layers. Set special ground, il s'appelle enum sector de layer. Bah. The ground. Et ensuite, il faut aussi lui donner un petit nom à notre combo box ground field et sa ground checkbox. Alors, initialize ground. Oups. Apply ground. Ça ressemble un peu au layer. Ça va prendre une ligne. Par contre, faut quand même les appeler ces fonctions. Non, ça prend un peu plus qu'une ligne parce que faut supprimer le field pour les entités qui ne l'utilisent pas. Field. Alors set selected value.
Il y avait quoi d'autre comme... Je peux m'inspirer des transitions en fait, plutôt. Parce que là aussi c'était une énigme avec des noms. Field name. Qu'est-ce qu'il fait là, sound field name? Destruction field name. Et donc, si l'entité a un champ donc ground, si on n'en a pas plutôt, j'enlève le ground label, ground field, sauf que ça c'était ground checkbox. Ensuite le nom du ground c'est ça, et la valeur il faut convertir ce nom en enum, donc là ça doit être ground get lui un name. Il me faut la fonction inverse que j'ai pas faite apparemment. Get by lui un name. Mais je pense qu'elle existe dans le moteur, donc il n'y a rien à faire. Et puis, tiens, je vais enlever ça. Solaris Ground Info. Donc il doit y avoir une fonction certainement. Voilà, getGroundByName. Name.to stdString, c'est bon. Et apply ground. Donc pareil, on va aller voir ce qu'il y avait dans transition. Pas grand chose de bien compliqué. Et il faut que je gère la checkbox aussi. Avec initialize possibly optional field. Donc voilà, ground field name. Ground checkbox et ground field. Et après ça, je pense qu'on aura fait tous les champs des destructibles, qui sont l'entité qui a le plus de champs. D'ailleurs, il faudra vérifier que le dialogue ne dépasse pas. Qui est pas trop haut pour les basses résolutions. Donc special ground herbe, je désactive, ça revient sur mur. Ah, j'ai désactivé, il s'est rien passé là. Ah bah oui, je fais la même bêtise. Donc là on get lui un name, on file point.
cette petite value. Donc là, ground. Alors, ground checkbox is checked. Get selected value, sinon c'est wall. C'est un peu comme on a fait dans les autres apply où il y avait des checkbox. Apply sound, apply sprite, treasure. Le weight c'était bien 0. Damage on enemies. Ouais, c'est bon. Donc si ça finalement c'est devenu de l'herbe, je mets OK. Ça marche. J'enlève. Ça marche. Parfait. Run ground. Donc après j'avais mes questions d'ordre. Treasure sprite destruction sound. Le sprite avant le trésor finalement c'est mieux. Donc ça c'est un bon changement. Ensuite le son. Parfait. Mince, j'ai deux éditeurs ouverts. Ah non, c'est non. Lifting the object. Donc ça, c'est le weight. Ensuite, c'est là qu'il faudrait que je mette les trois checkbox. Et enfin, damage on enemies. Special ground. C'est un peu chiant parce que les trois checkbox elles sont ajoutées programmatiquement. Elles sont ajoutées là à draw. Donc en fait, au lieu de faire add row, il faudrait faire insert row. Il faudrait pouvoir spécifier à quel endroit on les met. Alors on va s'en sortir avec getWidgetPosition. On va s'en sortir avec getWidgetPosition. Donc pour ça, il faudrait juste pouvoir dire ici que le can be cut on le veut juste avant 8 points lequel on a dit damage on enemies.
Field. Et donc comme les autres ils sont à la suite en fait, ça va être ces trois là. Ce qui veut dire que notre constructeur va prendre un widget optionnel. Before widget. Ok. Et donc, if before we, alors field pour un before widget différent de nul ptr. On fait insert row. Sinon, add row, label checkbox. Et donc le insert row, il veut un paramètre row. Alors j'ai plus de 0, qui est égal à donc 8.formLayout. Je sais plus. Où est passée ma fonction? Get item position. Non. Get widget position. Donc de field.before widget row. Et le rôle PTR, on s'en fout du rôle PTR, je veux pas. Mais je suis obligé de le mettre quand même. Donc, si row est différent de moins 1, on fait insert. Sinon, on fait quand même le add. Que lui soit nul PTR par défaut parce que y a pas grand monde qui en a besoin. Ah, lui veut un pas const. Ah, tant pis pour la constness. C'est quoi ce paramètre item role? Et donc, ça n'a pas marché.
on est bien là. Enlever le help. Donc re égale moins 1. Donc il n'a pas réussi à la trouver. Field.withBeforeWidget. Pas trouvé dans le layout. Donc normalement, c'est lui. Damage on enemy's field. Ah, je peux pas aller voir à l'intérieur de ça. Ah si. Donc before widget, c'est le bon. Damage on enemies. Ouais, c'est pas le field, c'est le layout. Parce qu'il y a pas, c'est pas un. L'élément qui est dans le form layout, c'est pas ça, mais c'est ça. Voilà, c'est bon, ça a marché. Ils sont mis dans l'ordre que je voulais. Pas forcément mieux en fait. Mais bon. Je garde comme c'était dans l'ancien éditeur. Et qu'est-ce qui se passe si je... Si j'ai une plus faible résolution? Donc officiellement l'éditeur il supporte jusqu'à 720.